Les champs d'action du pôle ont considérablement évolué. On est passé d'une mission qui était très centrée ou quasiment uniquement centrée sur l'usine à projet, l'innovation, les partenariats. Et pour évoluer très vite au cours de la phase 2 et de la phase 3 vers un champ complet sur l'accompagnement des PME, que ce soit au niveau de l'animation scientifique, mais bien au-delà, sur les financements, les projets, partenariaux, l'international, les fonds propres, etc. Donc un champ thématique qui a considérablement évolué. Et puis aussi au niveau des thématiques métiers, cette fois, un pôle qui était très exclusivement ou très principalement infectieux, immuno, un petit peu onco, et qui maintenant embrasse tous les champs de la santé. Donc une évolution assez énorme en fait.